Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous, on est parti pour parler de l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. D'après les informations de la presse britannique, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter Manchester United à la fin de la saison. En conflit avec son nouveau coach Ralf Rangnick, le portugais Ronaldo s'est aussi mis à dos une partie du vestiaire mancunien. Ronaldo au PSG, ça chauffe de plus en plus. Mais lorsque Manchester United a annoncé le retour de Cristiano Ronaldo, l'histoire semblait parfaite. Un retour aux sources, là où le portugais a explosé aux yeux du grand public, devenant même Ballon d'Or en 2008. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. À la traîne, en première ligue, Manchester United réalise une saison sans saveur. Ronaldo voudrait donc quitter Manchester United pour rejoindre le PSG. Alors qu'il figurait une nouvelle fois dans le viseur du PSG, selon les médias anglais, Cristiano Ronaldo semblerait de plus en plus proche de quitter Manchester United à la prochaine intersaison lors du prochain mercato estival 2022 pour rejoindre un top club européen comme le PSG. Et si le Paris Saint-Germain parvenait à mettre la main sur le multiple vainqueur du Ballon d'Or seulement une saison après avoir recruté Léo Messi, selon la presse britannique, que ce soit récemment The Sun ou encore The Daily Mirror, un intérêt des hauts décideurs du PSG pour Cristiano Ronaldo serait d'actualité, alors que la deuxième aventure du Portugais à United aurait pris un énorme tournant ces derniers temps. Non retenu par Ralf Rangnick pour le derby de Manchester face à Manchester City dimanche dernier 4-1, Ronaldo a rejoint le Portugal. Un épisode qui a beaucoup fait parler. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.